Shalom, bonjour. J'espère que vous allez bien et soyez tous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. En fait, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. J'espère que vraiment vous êtes assez concentrés et vous êtes dans le calme quand vous écoutez ces vidéos parce que les révélations cachées derrière vont vous permettre de grandir spirituellement, vont vous permettre de connaître la vérité et c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu et que nous les hommes, on a pris un homme pour en faire un Dieu. Non, ce n'est pas nous qui avons pris un homme pour en faire un Dieu. C'est Dieu lui-même, dans son état esprit, qui s'est fait un homme et qui est venu vers nous. La différence est là. Ce n'est pas comme si c'était nous qui adorons un homme. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et est venu vers nous et nous a montré, nous a révélé que c'était vraiment lui, Dieu, qui était parmi nous. Voilà pourquoi nous avons mis foi en ça. Nous avons posé notre foi au fait que Dieu a pris un corps chair. Il est rentré sur la terre. Voilà, c'est là où nous avons mis la foi. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous vous rappelez l'épisode dans la Bible où Jésus est dans le bateau avec les apôtres. Et les apôtres lancent le filet un peu partout et ils ne gagnent rien. Ça veut dire qu'ils lancent le filet et ils ne gagnent aucun poisson. En fait, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à pêcher. Ça veut dire que dans leur labeur, dans le travail qu'eux-mêmes ils font, ça veut dire qu'avec toute l'expérience qu'ils avaient, ça veut dire qu'ils se mettent au travail et avec l'expérience, ils savaient les endroits où pouvait se trouver le poisson. Ils lancent le filet, mais ils ne gagnent pas de poisson. Ils n'arrivent pas à trouver de poisson. Et quand Jésus arrive, Jésus dit, lance le filet là-bas. Allons-y. À un niveau, Jésus dit, lance le filet ici. Et quand il lance le filet, il recueille le poisson. Il est surpris parce qu'il a lancé le filet plusieurs fois à cet endroit-là, il n'a pas trouvé le poisson. Ça veut dire que Jésus, c'est sa présence qui peut changer les choses dans votre vie. Moi-même, je suis un exemple. Je vous raconterai mon histoire avec Jésus pour que vous sachiez d'où moi je prends toutes ces choses-là. Je n'avais jamais dans ma vie pensé que je devais me tenir un jour parler de Christ, parler de Jésus-Christ. Jamais. Ceux qui me connaissent, qui verront des vidéos de moi parlant de Jésus, ils seront très surpris parce que je ne connaissais pas ça. Non, moi je ne connaissais pas ça. Moi, je suis footballeur. C'est le football qui m'a toujours intéressé. C'est le football qui a toujours été ma passion. Et c'est le football qui m'a fait rêver. Les plus grands moments de ma vie, c'est le football qui me les a donnés. Donc, c'est le football qui a été une partie de ma vie. Mais me retrouver en train de prêcher et de parler de Jésus-Christ, ça là, même moi-même, je suis surpris. C'est-à-dire que je me surprends moi-même. Mais ce n'est pas le plus important. Je voulais vous dire quelque chose. Quand Jésus dit lance le filet, il lance le filet et allez, il pêche beaucoup de poissons. Il est surpris parce qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas de poisson. Il a lancé plusieurs fois son filet à cet endroit. Il n'a rien pêché. Mais avec Jésus à côté de lui, il a lancé le filet et il a eu le poisson. Quand ils étaient dans la barque et que le vent, un vent impétueux soufflait et les disciples ont eu peur de mourir, alors ils réveillaient Jésus-Christ. Il réveillait le roi des esprits. Que Rabbi, oh là on va mourir là. Quand Jésus s'élève, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Ça veut dire que même dans l'épreuve, il faut garder en esprit le nom de Jésus-Christ. Même quand c'est compliqué, même quand les choses sont difficiles, garde en esprit le nom de Jésus-Christ. Et n'oublie pas que c'est à ce nom précieux que tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et partout dans l'univers, parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été donné un nom aussi grand que le nom de Jésus-Christ. On dit à ce nom, tout genou fléchit dans les cieux. C'est-à-dire que c'est un nom qui fait fléchir tous les genoux du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut résister quand ce nom est prononcé. Même les démons s'enfuient au nom de Jésus. Donc, quelles qu'en soient les difficultés, les épreuves que vous traversez, gardez toujours en cœur le nom de Jésus-Christ. Je m'adresse aux chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus. Je m'adresse à des personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté, ça va être compliqué. Ça veut dire que vous êtes éclairés, mais vous n'êtes pas des lumières. Ceux qui ont accepté Jésus et qui ont pris leur baptême au nom de Jésus-Christ. Et un baptême pur, ça veut dire que dans des eaux, une rivière, un fleuve ou une mer,
immersion totale et renaissance. Ceux-là, ils ont le Saint-Esprit. Moi-même, je sais. Et ceux-là, ces choses-là, ils les connaissent. Mais si tu n'as pas encore eu ce genre de choses dans ta vie, si tu n'as pas encore été baptisé de cette façon, si tu as reçu quelques gouttes d'eau sur la tête, comme les catholiques font, tu n'es pas chrétien. Si tu as été baptisé dans une piscine ou baptistère, tu n'es pas chrétien. Si tu as été baptisé au nom de Jésus dans une eau courante, tu es chrétien. Tu es chrétien, peut-être que tu ne te connais pas encore, mais tu es chrétien. Le temps viendra, tu manifesteras un don, tu manifesteras l'esprit en toi. Et tu comprendras parce que cet esprit-là va t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes beaucoup de choses. Alors, quand les disciples réveillent Jésus, lui, le roi des esprits, il le réveille. Eux, ils pensent qu'il dort. Mais que signifie Jésus dormait dans la barque? Que signifie Jésus dormait? Ça veut dire que ceux-là, c'est des chrétiens. Les apôtres étaient des chrétiens. Ils sont représentatifs des chrétiens qui avaient accepté Jésus dans leur vie, mais qui ne l'appelaient pas et qui ne le priaient pas. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont pris les baptêmes normalement, mais qui n'appellent pas Jésus à chaque fois qu'ils ont quelque chose qui arrive. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas toujours Jésus au devant de la scène. Jésus est le bon berger. Il est le berger, il n'est pas la brebis. Il est l'agneau qui a été sacrifié, mais il est le berger. Si toi, tu acceptes Jésus, tu acceptes qu'il est mort sur la croix pour toi, pour le pardon de tes péchés, il devient ton berger, c'est lui qui va te guider. Si c'est Jésus qui te guide, alors à chaque fois que tu as quelque chose à faire, ou bien que tu as quelque chose d'important à faire, mets Jésus devant. À chaque fois que tu auras une épreuve, à chaque fois que tu auras une épreuve ou un problème compliqué, ça veut dire que ne t'abstiens pas d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Invoque le nom du Seigneur Jésus et tu le mets à l'avant et toi tu te mets à l'arrière. Tu verras le miracle qui va se passer. Si tu es chrétien, tu verras le miracle. Parce que si tu n'as pas encore accepté Jésus et que tu n'as pas encore pris le baptême comme il se faut au nom de Jésus, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. En ce moment-là, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas l'enfant de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tout ce qui peut t'arriver là, tu assumes, il ne sera pas là. Je te garantis en même temps qu'il ne viendra pas. Il ne sera jamais là pour toi. Mais si tu acceptes Jésus en esprit et en vérité, et tu fais les choses comme lui-même il a exigé. Quand tu as un problème, mets-le à l'avant. Toi, mets-toi à l'arrière. Tu verras ce qui va se passer. Voilà pourquoi moi, je confie toujours mes journées au Seigneur Jésus. Je confie même ma vie au Seigneur Jésus. Je confie toutes mes épreuves au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la façon dont moi, j'aborde les problèmes et les épreuves sont souvent de façon... Les gens ont l'impression que je ne suis pas un être humain. Les gens pensent que je ne suis pas un homme. Pourquoi moi je peux être au-dessus de ces choses? Comment est-ce que moi je peux avoir une grandeur d'esprit au point où je minimise les choses qui font souffrir les hommes? C'est parce que j'ai mis Jésus au centre de ma vie. J'ai mis Jésus-Christ devant toutes choses. Parce qu'on a dit qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu. S'il y a le seul médiateur là, c'est Jésus-Christ homme. Ça veut dire que je m'accroche à Jésus-Christ. Je m'accroche à lui. Le Coran dit que au jour de la résurrection, Allah, il va placer tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de tous ceux qui ont mécru. À partir de là, je m'accroche à Jésus encore. Les deux livres de foi qui parlent d'Abraham et qui parlent d'un seul Dieu unique, ces deux livres-là disent que Jésus est le chemin, la vérité, et que c'est par lui qu'on peut être sauvé. C'est lui qu'on doit attraper. Il faut le suivre. Suivez Jésus. Ne dites pas que vous acceptez Jésus. Oui, je peux parler, vous écoutez. C'est bien. Mais est-ce que vous avez vraiment accepté Jésus dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu votre baptême au nom de Jésus-Christ? Si ces choses ont été faites dans votre vie, ce n'est pas à vous de faire des efforts, mais marchez seulement dans la droiture de l'Éternel. Mais laissez l'Esprit de Christ en vous agir. C'est lui qui doit vous diriger. C'est lui qui prendra les décisions à votre place. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui est le responsable. Confiez-lui votre vie. Confiez-lui vos fardeaux. Confiez-lui vos problèmes, vos épreuves. C'est lui qui est responsable. Si quelque chose vous arrive, c'est Jésus qui est le responsable. Vous vous lamentez trop parce que vous pensez être fort. Vous pensez être assez fort pour pouvoir assumer les problèmes, surmonter les épreuves. Vous n'êtes pas fort. Vous êtes périssable. Vous êtes vanité de vanité. Vous êtes poussière. Vous êtes la boue. Vous allez finir comme la boue. Nous finirons tous comme la boue. Mais si vous mettez Jésus devant vous et vous l'acceptez, il prend le contrôle et il devient
vous et vous devenez, si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. À partir de là, tout ce qui vous arrive, c'est lui le responsable. Parce que c'est lui le bon berger. Le bon berger prend bien soin de ses brebis. Donc s'il est mon berger, il doit bien prendre soin de moi. À partir de là, je sais que j'ai quelqu'un qui prend soin de moi, qui me protège, qui est mon protecteur. Je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire face aux épreuves. Mais je sais aussi que le juste peut tomber 5-6 fois, mais 7 fois il se relève. Mais je sais que l'injuste, s'il tombe une fois, deux fois, il ne se relèvera pas. Je sais que même étant justifié par la parole de Christ, je sais que je peux tomber. Je sais que je peux pécher, mais je sais que je vais me relever. Je sais que je peux demander pardon et il accepte parce qu'il est miséricordieux. Je sais que Jésus est pardonneur. Mais est-ce qu'il est avec moi dans ma vie? Oui. S'il est avec moi dans ma vie, je sais qu'il peut donc résoudre tous mes problèmes. Je sais qu'il peut prendre, il peut être au devant et m'aider à surmonter toute épreuve de la vie, de la chair. Il n'y a pas d'épreuve qui peut me permettre de tomber et de ne pas me relever. Tant que Jésus est avec moi, personne ne peut contre moi. C'est cette foi-là que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens doivent avoir. Mais je ne trouve pas ça. Moi, je cherche des chrétiens dans la ville où je suis. Je n'en trouve pas. Je vois des chrétiens. Je vois certains chrétiens dans d'autres pays. Je vois des chrétiens. Mais ces chrétiens-là aussi, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses, mais ils ont aussi peu de choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour être des chrétiens affermis. Un chrétien affermi dans la foi, c'est un homme fort. C'est un homme qui est réussi là où les autres échouent. Un chrétien affermi dans la foi, c'est quelqu'un qui réussit financièrement. C'est quelqu'un qui est fort debout. C'est quelqu'un qui a toujours la réponse à tout. Parce que l'Esprit qui est avec lui, lui donne la connaissance sans mesure. Il est au-dessus de tout le monde. Il survole tout le monde par sa façon de parler, par l'inspiration qu'il a. C'est ça un chrétien. Vous avez Jésus avec vous. Il est comme Jésus qui était dans la barque avec les apôtres qui dormaient. Parce que s'il dort, ça veut dire que vous ne l'avez pas réveillé. Si vous avez un protecteur qui est là et qui dort, si vous êtes en danger et que lui, il dort, il ne dort pas parce que c'est parce qu'il veut dormir. Il est endormi parce que vous oubliez que vous pouvez compter sur lui. C'est parce que vous oubliez que vous pouvez compter sur Jésus qu'il dort. Mais si vous savez que vous pouvez compter sur lui, avant que le danger n'arrive, quand vous sentez ça arriver, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, quand tu invoques trois fois le nom du Seigneur Jésus, il va s'élever. Si tu as appelé le berger, ça veut dire que le loup est en train d'arriver. Toi, la brebis, tu vois le loup arriver. Mais comme le berger est discret, il est en train de s'occuper d'autres choses. Le berger s'occupe d'autres choses. Parce que nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de brebis. Pendant qu'il s'occupe de d'autres brebis, mais une brebis est en danger. Mais il voit le loup arriver. Mais il faut appeler le berger. Si tu cries son nom deux fois, trois fois, il va se retourner pour regarder ce qui se passe. Et dès qu'il verra que tu es en danger, il viendra à ton secours. C'est comme ça la vie chrétienne. Il faut que les hommes appréhendent ça et comprennent ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Un chrétien, c'est quelqu'un que même la mort ne fait pas peur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec l'état d'esprit qu'il vivra toujours, même s'il est mort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une foi absolue. Il sait qu'il est co-héritier avec Christ. Un chrétien, c'est celui qui n'attrape pas la Bible si elle est seule, qui va s'asseoir dimanche. Il pense que c'est le sabbat. Le sabbat a été foulé aux pieds par Jésus-Christ. Moi, je ne respecte pas le dimanche ou le samedi ou le vendredi. Il n'y a pas un jour pour moi pour prier mon Dieu. Je prie mon Dieu quand je peux et quand je veux, à n'importe quelle heure. Je ne choisis pas l'heure. On ne m'impose pas. Dieu n'impose pas une heure pour le prier. Ce n'est pas un Dieu esclavagiste comme, comme Allah. Notre Dieu, c'est un Dieu qui dit en esprit, en vérité. Même assis quelque part, tu fermes les yeux 5 minutes, tu pries. Même allongé sur ton lit, tu fermes les yeux 5 minutes, tu pries. Même courbé, même à plat ventre, quelle qu'en soit la position que tu as, si tu invoques le nom de Jésus, et que tu as vraiment pris ton baptême en son nom, il va te reconnaître. Parce que quand tu prends le baptême en son nom, là, il sait que tu es son fils. Tu es co-héritier avec lui devant le Père. Tu es membre de son corps. Je n'ai jamais vu un homme qui marche, son bras touche le feu, et il laisse le bras là-bas, il continue à marcher. Il dit non, le feu, ah, c'est le bras, ça n'a qu'à brûler. À chaque fois qu'une partie de ton corps va toucher le feu, en même temps tu vas enlever, c'est la tête qui commande au bras de quitter de là. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps. Ça veut dire que le corps que nous avons là, c'est Jésus-Christ qui est la tête. Donc si nous formons les membres de son corps là, c'est lui qui est la tête. Donc si le feu touche un bras là, il va enlever ça là-bas. Vous n'avez rien compris parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Je parle comme ça pour éveiller votre conscience. Jésus peut être avec vous, mais si vous ne le réveillez pas quand il y a le danger, il n'agira pas. Il n'agira pas. Vous pouvez être quelqu'un qui sera chrétien demain. Parce que maintenant, vous êtes encore païen. Mais vous allez accepter Jésus demain. Qui sait? Chaque personne accepte Jésus en son temps.
Voilà pourquoi il ne faut jamais condamner tout le monde tout de suite. Les gens changent. Quelqu'un peut accepter Jésus à 100 ans. Quelqu'un peut accepter Jésus à 50 ans. Quelqu'un peut accepter Jésus même à 20 ans. Tout dépend du moment où il s'est mis à disposition et que l'Esprit est rentré en lui. Et le jour qu'il accepte Jésus, il devient chrétien. Toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de là, il devient un fils légitime de Jésus-Christ. Et il a droit à l'héritage qu'ont eu les autres enfants avant lui. Il n'y a pas de distinction, tout le monde a le même héritage. Maintenant, c'est au niveau des récompenses. Chacun aura sa récompense maintenant, selon sa conduite sur la terre, selon sa façon de vivre sur la terre, selon le comportement qu'il a eu sur la terre, chacun aura des récompenses par rapport à ça. Mais en ce qui concerne l'héritage de la vie éternelle, tous les chrétiens ont ça. Celui qui a cru en Jésus et qui a pris son baptême, nous avons tous le même héritage, la vie éternelle. Tout le monde, tous les chrétiens ont ça. Mais c'est au niveau maintenant des récompenses que ça devient différent. Donc, vous pouvez avoir Jésus dans votre vie, comme les apôtres avec Jésus avec eux dans le bateau. Mais le danger est arrivé, ils ont paniqué. Au lieu de l'appeler spirituellement, au lieu de dire qu'on n'est pas seul, il est avec nous, rien ne peut nous arriver. Ils ont paniqué. Maintenant, à la dernière minute, maintenant, ils se sont retranchés, maintenant ils sont allés réveiller. Rabbi, la tempête va nous tuer. Le gars s'est levé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Homme de peu de foi. Pourquoi il dit peu de foi? Parce que vous m'avez en vous. Au lieu de m'appeler, au lieu de me prier au moment de l'adversité pour que je réagisse sans même me toucher, vous êtes obligé d'être retranché. C'est quand vous sentez que non, c'est fini pour vous, vous venez maintenant me toucher. Il calma la tempête. Le roi des esprits, il a parlé seulement. Il a calmé le vent. Ça veut dire que le vent là, c'est le vent. Le vent emporte beaucoup d'esprits. C'est-à-dire qu'un vent, une tornade comme ça, ça peut être beaucoup d'esprits qui sont là. Puisqu'il a parlé aux esprits, les esprits se sont calmés, le vent s'est calmé. Il a parlé au vent, le vent s'est calmé. Ça veut dire qu'accepter Jésus dans votre vie, pas comme des fanfarons là, à deux balles, pas comme les catholiques, pas comme les musulmans. C'est Jésus, le seul nom qui sauve. Il faudrait que les musulmans chassent les démons au nom de Mohammed. Mohammed. Au nom de Mohammed, je te chasse démon. Au nom de Mohammed, je te chasse démon. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qui est mort, enseveli, la terre l'a retenu. Il n'est pas sorti. Il est mort comme tous les hommes. Il n'est pas ressuscité. Vous allez l'appeler, il va venir faire quoi? C'est vous-même encore musulman qui dites paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur qui? On vous dit la paix et le salut, c'est pour les vivants. Quand tu es mort, il n'y a plus de paix, salut. Tu vas aller rendre compte à celui qui t'a pris la base. Celui qui t'a envoyé sur la terre là. C'est devant lui que tu vas aller maintenant rendre compte. Il n'y a pas paix, salut sur ça. Il n'y a pas paix, salut. Un mort est mort. On ne fait rien d'un mort. Un mort est mort. Il a fini son chapitre. Il est mort. C'est fini. C'est moi, de votre vivant là. Si je parle avec vous, je vous dirai paix, salut sur vous. Parce que vous êtes vivant. Notre Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants, pas des morts. Si quelqu'un ne connaît pas ça, vous êtes déjà des chrétiens. Vous faites honte. Vous me faites honte. Mais j'espère que vous avez compris. Il faut que vous compreniez. Parce que j'ai dit, mes vidéos, c'est un enseignement. Ceux qui sont dépassés ou qui pensent que je tire tout ça dans ma tête, il n'y a pas de problème. Venez me poser des questions en commentaire. Laissez même votre numéro en commentaire et vous posez votre préoccupation. Je vais vous écrire, je vais vous répondre. Je suis là pour vous servir. Mon travail, c'est de servir les enfants de Dieu. Je suis né pour être au service des enfants de Dieu. Je suis un berger qui est au service des brebis de l'Éternel. Je suis un berger qui est au service des brebis de Christ. Je suis venu de sa part. Et je parle de sa part, donc je prends soin de ses brebis. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas. Je dis, quelle qu'en soit la préoccupation qui concerne la chair, qui concerne l'esprit, venez en commentaire, laissez votre commentaire, posez votre question, votre préoccupation, je vais vous répondre. Je vous donnerai des réponses qui vont attiser la flamme qui est dans votre esprit. Je saurai qui vous êtes à travers vos réponses. Je saurai qui vous êtes et quel esprit vous anime. Je vous dirai quoi faire pour que vous reveniez à l'esprit Christ, pour que vous reveniez à la bergerie. Parce que Jésus-Christ est encore vivant et sa parole demeure encore. Ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas mon problème. Moi, je passe le message et je reste tranquille. La révélation d'aujourd'hui, c'était pour que vous compreniez que vous pouvez avoir Jésus dans votre vie, mais tant que vous ne priez pas sans cesse,
il n'agira pas vraiment. Vous allez tomber dans un trou parce que la plupart des personnes, ils préfèrent d'abord aller eux-mêmes en courant, ils oublient Jésus. C'est quand c'est mauvais maintenant, oh Jésus, oh Seigneur. Mais tu appelles le Seigneur, le fait est déjà là. Il faut l'appeler avant que tu ne partes, avant d'aller accomplir la mission, avant d'aller affronter l'épreuve, avant d'aller faire la chose. Il faut déjà mettre Jésus devant. Comme ça, au moins en partant, il sait comment te guider. Ne pas faire, quand tu es déjà coincé et que c'est bizarre, tu appelles maintenant, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Comment le fait est déjà accompli, il va t'aider comment? Il va t'aider comment? Il faut apprendre à vivre avec Jésus-Christ. Et sachez que c'est Jésus-Christ qui prend le contrôle de votre vie. Ce n'est pas vous qui prenez le contrôle de Jésus-Christ. C'est vous qui devez être soumis à l'esprit de Jésus. Ce n'est pas votre esprit qui doit soumettre l'esprit de Jésus. C'est vous qui devez être soumis à l'esprit de Christ. À partir de là, mettez Jésus dans tout ce que vous faites. Les apôtres ont bien fait de dire que tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Mettez d'abord Jésus dans tout ce que vous voulez faire, les gars. Les gars, mettez Jésus. Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant. Celui qui veut aussi savoir pourquoi je le dis, posez vos questions, je vous répondrai. Que la paix soit sur vous et que le salut vraiment vous visite et que vos yeux puissent le voir, ce salut-là. Ce salut qui est vivant, qui vous parle en ce moment à travers ses paroles. Que cette voix retentisse dans votre esprit et le réveille. Quelles qu'en soient les doctrines qu'on vous a déjà fait rentrer dans la tête, quelles qu'en soient les choses qu'on vous a racontées partout, croyez en moi et croyez en Jésus. Ce que je vous dis là est authentique. C'est la vérité, c'est la lumière de vie. C'est la lumière et la vérité de vie que je vous donne. Je partage avec vous la lumière et la vérité de vie pour que dans votre vie là, quelque chose s'allume. Pour que le feu qui était presque éteint dans votre vie là se rallume. Posez des questions. Je sais que je vais vous aider beaucoup parmi vous. Et je ne vous demande rien. Je le fais comme ça. Vous-même, vous saurez que Dieu est